Le prince Harry snobé par Charles III, la raison dévoilée. Le prince Harry a fait une apparition surprise à Londres le 27 mars dernier pour assister au procès qu'il intente contre l'éditeur du Daily Mail pour violation de la vie privée. Bien que Charles III ait vu sa visite en France reportée, le roi n'a pas daigné voir son fils cadet avant de s'envoler pour l'Allemagne. Éclairage. Entre le prince Harry et la famille royale britannique, les relations sont glaciales. Arrivé sur le sol anglais le 27 mars dernier, le duc de Sussex a tenu à se rendre en personne au procès qu'il intente avec 5 autres plaignants contre l'éditeur du Daily Mail pour violation de la vie privée. Une audience préliminaire à laquelle il n'était pourtant pas tenu d'être présent. Prévenu, Charles III, qui se trouvait à Highgrove après le report de son voyage officiel en France, n'a pas daigné voir son fils cadet avant de s'envoler pour Berlin. Si le nouveau monarque... Les exilés de Montecito ont dressé une petite liste d'exigences. Si le roi, qui a bel et bien invité le couple, semble prêt à tendre la main, sa patience a des limites. En coulisses, il se murmure que certains membres de la famille royale seraient même déconcertés par cette invitation, dénonçant leur stress et leur négativité. Avant même d'avoir donné sa réponse, le prince Harry semble déjà perdant. S'il vient, il devrait recevoir un accueil glacial. En revanche, s'il n'assiste pas au couronnement, l'affront à son père pourrait signer une rupture définitive. L'avenir royal du duc de Sussex semble plus que jamais compromis.